Bonjour, chers apprenants, et bienvenue dans une nouvelle séance de soutien et consolidation des acquis qui va concerner la dictée pour les graphèmes H, R, F et V. À la fin de cette séance, vous seriez capable d'écrire correctement sous dictée des mots contenant les graphèmes H, R, F, V. Avant de commencer, préparez s'il vous plaît vos ardoises, vos stylos et vos cahiers. Préparez vos ardoises, vos stylos et vos cahiers. Je vais maintenant vous présenter quatre syllabes et quatre mots. Je vais les lire et à chaque fois, vous allez les lire après moi. On commence? Vous êtes prêts? Allez, soyez attentifs. O, O, répétez s'il vous plaît après moi. O, hôpital, hôpital, O, hôpital. Feu, feu, girafe, girafe. Rue, 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 rue. Va, va, valise, valise. Je vais répéter une dernière fois et vous allez toujours répéter après moi. O, hôpital. Feu, girafe. Rue, rue. Va, valise. Très bien les enfants, maintenant on va passer à l'entraînement sur les ardoises. Prenez s'il vous plaît vos ardoises. Prenez vos ardoises. C'est bon? Vous êtes prêts? On commence l'entraînement. Alors regardons la première image. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Très bien, c'est un hôpital. C'est un hôpital. 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 Écrivez maintenant le mot hôpital sur vos ardoises, tout en respectant les normes de l'écriture cursive et les dimensions des lettres, toujours. Allez, écrivez sur vos ardoises. Passons maintenant au deuxième mot et regardez l'image avec moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Très bien, c'est la girafe. C'est une girafe. La girafe est un animal sauvage qu'on trouve au zoo et à la forêt. Très bien, girafe, girafe, girafe. Très bien. Écrivez maintenant sur vos ardoises le mot girafe, tout en respectant les normes et les dimensions des lettres. Et bien sûr, essayez de répéter les syllabes qui composent le mot en écrivant sur les ardoises. Girafe. Allez, recopiez. Très bien. On va passer au troisième mot et dites-moi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bravo, c'est une rue. C'est une rue. Dans la ville, il y a plusieurs rues. Dans ma ville, il y a plusieurs rues. Rue. Écrivez sur vos ardoises le mot rue, tout en respectant les normes de l'écriture cursive et les dimensions des trois lettres R, U, E. Allez, recopiez et écrivez sur vos ardoises. On va passer au dernier mot. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une valise. Une valise. Valise. Maintenant, sur vos ardoises, écrivez le mot valise. Va,
Lise. Va-lise. Essayez de respecter les normes de l'écriture cursive, les dimensions des lettres, et en écrivant, essayez de répéter les syllabes qui composent le mot. Allez, écrivez valise sur vos cahiers. Alors maintenant, on va passer à l'exécution de la dictée sur les cahiers. On va passer à l'exécution de la dictée sur les cahiers. Prenez vos cahiers. Prenez vos cahiers. Je vais vous faire montrer les syllabes et les mots que je vais dicter après. Je vais les lire et je vais les cacher. Une syllabe après l'autre et un mot après l'autre. Et vous devez les écrire sur vos cahiers. Vous êtes prêts ? On commence. Au hôpital. Au hôpital. Feu, girafe. Feu, girafe. Rue, rue. Rue, rue. Va, valise. Va, valise. Maintenant, je vais les cacher l'un après l'autre et vous devez les écrire sur vos cahiers. Allez, préparez vos cahiers et on commence. Alors, O, écrivez O. O, la syllabe O. Très bien, maintenant on va écrire le mot hôpital sur la même ligne que la syllabe O. Hôpital. Regardez bien comment s'écrit le mot. Hôpital. Allez, écrivez. Hôpital. Hôpital. Allez, on revient à la ligne pour écrire la deuxième syllabe. Feu. Feu. Je cache la syllabe. Écrivez sur vos ardoises. Feu. Feu. Très bien. Maintenant, on va écrire le mot. Girafe. Girafe. Je cache le mot. Vous pouvez l'écrire sur vos cahiers, sur la même ligne que la syllabe feu. Allez. Très bien. Revenez à la ligne pour écrire la syllabe rue. Rue. Je la cache. Allez, écrivez sur les cahiers. Rue. Très bien. On va écrire le mot rue maintenant sur les cahiers. Rue avec un E à la fin. Je cache. Et vous devez écrire le mot sur la même ligne que la syllabe rue. Rue avec un E à la fin. Rue. Très bien. Et maintenant, on va passer à la dernière syllabe. Va. Va. Je cache et écrivez maintenant sur vos cahiers. Va. Va. Sur la même ligne, on va écrire valise. Valise. Je cache le mot. Écrivez maintenant. Va. Lise. Va. Lise. Très bien, je vais vous répéter maintenant les mots pour une dernière fois. Je répète la première syllabe. O, hôpital. O, hôpital. Feu, girafe. Feu, girafe. Rue, rue. Rue, rue. Et à la fin, on a valise. Pardon, va, la syllabe, va, valise, va, valise. Très bien. Est-ce que vous avez terminé la dictée? On va passer maintenant à la correction et je vais vous montrer toutes les syllabes et tous les mots. Maintenant, vous allez comparer ce que vous avez écrit
sur vos cahiers avec les syllabes et les mots qui sont écrits au tableau. Alors regardez, est-ce que vous avez bien réussi à écrire correctement tous les mots et toutes les syllabes? Si oui, bravo, je vous félicite. Sinon, vous pouvez vous entraîner davantage pour arriver à les écrire correctement. Chers apprenants, notre séance a pris fin. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage. Au revoir.